cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Mais Léonard qui joue très agressif, mais malheureusement qui se passe tout. Oh là là. Le premier kill qui était placé. Après une défaite de 5 à 0 dans le match numéro 1, les conquérants sont de retour. Oui, Mano, on flash pour essayer d'attaquer. Oh, c'est bien fait. Mais très bien fait. Professeur Léva qui neutralise le ballon sur le mur arrière. Le tir de Kittelba transverse tout un arrêt de Louveton qui vient sauver la mise. Rebonsoir à tous et bienvenue de nouveau en direct sur la chaîne YouTube des Conquérants pour ce match de tournoi préparatoire, le deuxième tour de ce tournoi suisse opposant la formation des Conquérants, équipe numéro 2, face au Griffon numéro 3 du cégep de l'Outaouais. Alors toujours moi-même, Eric Godot-Drapeau, 077 à la description, analyse de ces rencontres. Et on a le classement évidemment là. Du premier tour. Donc, on peut voir toutes les équipes ici qui ont remporté leur match. Plusieurs équipes, évidemment, qui font des retours. Là, plusieurs cégeps qu'on a vus l'an dernier. Les cégeps finalistes de l'an dernier, on parlait du cégep Édouard-Montpetit numéro 1, ainsi que du cégep de Saint-Hyacinthe numéro 1. Formation qui comporte Rouka, un joueur bien connu dans la communauté québécoise de Rocket League, participant à la Coupe RLEQC. Pour notre équipe numéro 1, ben c'est un affrontement contre le cégep de Sept-Îles, match qui est en cours. Et pour notre équipe numéro 2, ben comme vous le voyez, c'est un affrontement contre le cégep de l'Outaouais, qui se sont inclinés 3 à 0 contre l'équipe numéro 2 du cégep Édouard-Montpetit lors du premier tour. Donc sans plus tarder, allons-y avec la présentation de l'équipe numéro 2.
Alors, comme vous avez pu le voir, nous avons quatre joueurs dans l'équipe B et ce sera Hasard Brun, Fakey Willy et Kickstart. Correction. Donc, de la formation. Ils se sont inclinés lors du premier tour dans une défaite en trois matchs contre l'équipe de Saint-Jérôme numéro 1. Un match, évidemment, dans le tournoi suisse où est-ce que fallait s'y attendre quelques mismatchs. Donc, une équipe qui était beaucoup plus forte, si on peut dire ainsi, du côté de Saint-Jérôme. Alors que notre formation B, va être prêt à lancer les hostilités pour cette série 3-5. On le rappelle. Alors, on va être prêt à lancer le tout, à envoyer le go à nos joueurs ainsi qu'à l'autre formation, donc la formation des Griffons de l'entraîneur-chef Louis du côté du cégep de l'Outaouais. Alors, on est prêt à débuter, messieurs, pour lancer les hostilités série 3-5. Donc, les conquérants, formation partante, donc Fakey Willy accompagné de... Donc, en fait, on est à l'attente là, de nos trois joueurs. Donc, petite correction. On va s'assurer d'avoir tout le monde sur le serveur avant de lancer le tout. Les joies du direct, bien évidemment, mesdames et messieurs. Alors que voilà, nous serons en quelques instants prêts là, à débuter cette rencontre. Comme on le rappelle, série 3-5, donc... beaucoup d'opportunités là, pour les joueurs de s'adapter et d'analyser le tout. Vous verrez au niveau du serveur Rocket League que l'équipe se nomme Conquérant 1. C'est un petit typo. Ce sera les Conquérants 2 pour ce match. L'équipe adverse, les Griffons 3, eux, qui sont bien identifiés dans les circonstances. Donc, on aura encore une fois un très petit délai, le temps de préparer le terrain pour cette série. Donc, les deux formations qui sont à l'égalité, 0 et 1, évidemment, pour l'une des deux équipes, on va se promouvoir d'une fiche de 500 après cette première soirée de travail de 3. Donc, les trois prochaines semaines là, qui sont dédiées à ce calendrier préparatoire pour... cette campagne là, de la LCSE, donc circuit préparatoire, alors que on aura là, dans les prochaines semaines là, un tableau qui se dessine un peu plus rapidement pour tracer là, l'état des choses pour les 34 formations là, du circuit collégial afin, là, bien sûr, de former ces divisions là, pour un peu mieux étaler le tableau. Et c'est le but, là, l'objectif de ce tournoi suisse, rappelons-le, le format là, de ce dernier. Alors que on n'attendra pas le prochain printemps, les équipes là, qui sont prêtes et on rejoint. Alors que du côté des conquérants, Kickstart, Hasard Brun et Fakey Willy font face... à Louis Assassin et Hero du côté de la formation de l'Outaouais. Alors, la mise en jeu initiale, match numéro 1, c'est parti! Alors, Willy contre Louis à la mise en jeu, ça sera remporté par la formation de l'Outaouais. Manœuvre tentée par Assassin et c'est une passe pour Zero qui complète et ouvre la marque 1-0 pour les Griffons. Alors que comme vous pouvez le voir, là, une très belle passe au centre, remise vers zéro qui va d'un tir parti supérieur et ouvre le pointage. L'équipe numéro 2 là, des Conquérants qui est formée là, de joueurs de calibre or et platine. Donc, on a quand même quelques joueurs débutants là, dans la formation, ce qui fait en sorte que c'est une équipe qui va progresser là, au fil de la saison et qui, bien évidemment, va acquérir son lot d'expérience. Zero envoie au centre, dégagement d'Hasard Brun. Envoie pour Willy qui va pousser plus loin. Assassin va saisir au centre. Dégagement de Willy qui envoie un ballon. Hasard Brun qui a une belle touche. Zero qui va le défier. Dégagement là, qui va être repris au coin. Louis qui s'installe, joueur responsable. J'avais mentionné entraîneur, mais il est le capitaine de cette formation des Griffons numéro 3. Kickstart, un bon tir. Ça va être raté à la gauche du filet. Louis qui renvoie en transversal. Cherche à s'installer là, du côté de la formation des Griffons. Passe au centre qui est presque devenu un tir, qui ne sera pas cadré. 50-50 qui soulève le ballon au plafond. Louis qui s'élance. Tente d'y avaler d'une touche, ça ne sera pas cadré. Le retour pour Zero.
renvoie vers le panneau arrière, Louis, au centre. C'était une passe qui visait Assassin, mais troisième homme du côté des Griffons qui ne se sera pas compromis sur la séquence. Ballon qui est libre, Assassin au centre, défié par Hazard Brun qui renvoie plus loin. 1 à 0 la marque. Premier match de cette série 3-5, là, deuxième tour en fait du tournoi suisse. On va y aller de la petite correction à l'instant là. Donc, c'est bel et bien le deuxième tour voilà, de cette série. Alors qu'avec un peu plus de 3 minutes à jouer, l'avance est de 1 à 0 pour les Griffons numéro 3. Willy renvoie, rate la touche plutôt alors qu'il est en train de rentrer au centre. C'est la même chose pour Zero. Ça force un 50-50 entre Louis et Kickstart. Hazard Brun qui s'élance, rate la touche. Zero neutralise, laisse pour Louis derrière. Un lob qui va passer par-dessus le filet. Double touche tentée par Zero qui rate. Alors que du côté, là, évidemment, là, des deux formations, on remarque un peu là, le baisse de rythme face à l'équipe numéro 1 et la formation là, du côté. Du trad de tout à l'heure, c'était à prévoir. Là. Alors que la touche est ratée, ballon libre devant, Zero qui ramène vers le poteau rapproché. Willy qui fait un bel arrêt, renvoie une passe au centre, pas de preneur chez ses coéquipiers. Louis qui tente de poursuivre la frappe, ça va rater du côté droit. Assassin soulève un ballon, Hazard Brun qui le renvoie un peu plus loin. Zero, une frappe, attention dangereuse et bel arrêt. Hazard Brun qui se signale là-dessus, le capitaine de la formation 2 qui fait une... belle manœuvre sur la séquence. Louis, ça va viser le panneau arrière. Cherche à double touche. Pas disponible. Dégagement d'Hazard Brun. Conquérants qui vont d'une belle défense là, pour maintenir le pointage à portée. Kickstart. Une belle manœuvre. Ballon libre devant. Assassin qui va se présenter alors que Willy tentait de compléter. Ballon libre pour Hazard Brun. Un tir en pincement qui va rater à la droite du filet. Et c'est Louis qui va reprendre. Louis rate son dribble. Il va d'une belle frappe sur le retour et va doubler l'avance des siens. Belle manœuvre qui fait 2 à 0. Alors Louis qui, en ratant le premier tir, s'est donné un bel angle là, pour défier la défensive. Et Kickstart, bien placé au poteau rapproché, malheureusement, n'a pu atteindre ce ballon à temps. Et l'Outaouais qui va doubler son avance, c'est 2 à 0. Dégagement qui va atteindre le panneau arrière. Louis va reprendre un centre pour lui-même encore une fois. Bon tir et par lui-même, Louis qui double son score, rajoute un troisième but pour l'équipe des Griffons, c'est 3-0. Alors, on était un peu passif en défensive, on laisse beaucoup d'espace au centre et Louis qui n'en demandait pas autant pour tirer directement dans l'axe et fait 3-0 la marque. L'enjeu qui est encore une fois remporté par l'Outaouais. Kickstart sur le mur, il va du centre, un peu trop long pour son coéquipier, mais le ballon qui est neutralisé. Willy qui s'élance, réussit à bloquer la frappe, ouvre la porte à Hazard Brun qui va chercher la touche aérienne. Zero repousse sur le panneau arrière, laisse le ballon pour Louis derrière, dégagement qui sera bloqué par Kickstart. Zero pousse au centre, Hazard Brun intervient, il va d'un dribble au sol, tente de négocier avec la défensive adverse. Louis d'une frappe qui ne sera pas cadrée, force Kickstart à y aller du dégagement sur le muret. Ballon qui est soulevé là, en transversal, ouvre la porte à Zero. Il va neutraliser ce ballon en territoire offensif. Willy qui rate la touche, dribble d'Assassin qui est bloqué par Hazard Brun. Dernière minute là, dans ce match numéro 1. Zero qui voit son tir bloqué par Fakey. Alors libre pour Louis au centre. Son lob soulevé qui est dégagé par les conquérants. Louis d'une frappe et encore une fois cage abandonnée. Et il complète son tour du chapeau. Louis qui ajoute son troisième du match et encore une fois un ballon errant en plein centre de l'axe et Louis qui tire vers une cage abandonnée et on peut dire vient fermer les livres là, sur ce match numéro 1. Donc les Griffons avec 40 secondes à jouer vont bénéficier d'une avance de 4. Hazard Brun qui s'élance dans un 50-50, ballon qui est soulevé en hauteur, Assassin qui pousse vers le territoire adverse, Kickstart d'un bon dégagement pousse. Montré par Zero, Hazard Brun. Combine avec Willy pour envoyer. Kickstart d'un dégagement. Bel arrêt là, du côté de la défensive de l'Outaouais. Louis qui s'élance, pousse au centre. Dégagement d'Hazard Brun en transversal. Un lob qui va être saisi. Oh, Zero qui est gêné dans sa manœuvre sur le repli défensif de Willy. Bien fait. Assassin qui laisse pour Louis. Ballon qui va être flottant avec cette dernière seconde de jeu. Ballon qui touche au sol et confirme cette première victoire pour le cégep de l'Outaouais qui vont prendre les devants 1 à 0
dans cette série. Match qui aura été quand même chaudement disputé. Si on regarde les statistiques, bon, on voit là un bon nombre de tirs en faveur des Griffons, donc 8 contre 1. 4 arrêts là, pour la défensive des Conquérants, 2 au crédit de Fakey. Donc, encore de l'ajustement à faire là, des deux côtés. Bien évidemment, là, une série 3-5, encore beaucoup de choses à décider. Rien n'est joué. Et les Griffons qui vont aller chercher le premier match. Eux qui auront une rotation de joueurs là, au cours de cette rencontre. Donc, on risque d'avoir des membres. Donc, on avait vu Louis, Assassin et Zero. Ils ont également deux joueurs là, qui sont en attente pour... la suite des choses, alors qu'on va être prêt là, à passer au match numéro 2 de cette série. Rappelons-le, série 3 de 5, match préliminaire, alors que tout le monde va rejoindre en temps et lieu. On va être prêt là, à placer tout ce beau monde sur le terrain virtuel pour une deuxième fois. Alors que Hazard Brun, Kickstart et Fakey, cette fois, vont se mesurer à Lucky Aino, Louis et leur troisième collègue. Alors voilà, c'est parti pour ce match numéro 2. Alors c'est Zero qui va se joindre. Louis de haut, une frappe initiale qui aurait défié Kickstart là, sur la manœuvre. Dégagement de Willy, tente le dunk sur Lucky qui va réussir à pousser plus loin. Les conquérants défensifs vont dégager en transversal. Aino qui s'élance vers le mur latéral, passe au centre pour Zero. Zero d'un dribble au sol, il va du flic. Oh, bel arrêt d'Hazard Brun là-dessus, bien placé en défensive. Louis s'élance, rate la touche. Fakey qui est gêné dans son travail. À deux reprises, Zero qui sort le jeu physique là, pour les Griffons dans le match numéro 2. Willy pousse plus loin. Lucky Aino qui va combiner, renvoie vers le panneau arrière. Ballon qui est en hauteur. Hazard Brun n'a plus de carburant pour l'atteindre. Et c'est une touche, c'est complété. Lucky Aino dans la partie supérieure fait 1 à 0. Une belle patience du joueur de l'Outaouais qui va laisser ce ballon descendre. Et tout juste... du pare-choc arrière pousse dans le haut du filet. Et les Griffons qui vont ouvrir la marque dans le deuxième match, c'est 1 à 0. Un enjeu qui est neutralisé, renvoyé le long du muret. Aino qui dégage. Envoyé une frappe plutôt là, vers le poteau rapproché. Hazard Brun qui va être crédité de l'arrêt. Passe au centre pour Louis. Belle touche, c'est bloqué par Kickstart. Ballon qui est libre au centre. Kickstart qui s'élance. On va aller chercher la démolition sur Fakey là, qui se plaçait comme... deuxième homme là, en renfort de la transition offensive et ça est venu couper le vent dans les voiles de cette poussée limouloise. Fakey qui bloque, force un 50-50 qui envoie Lucky sur la touche à une deuxième reprise. Combine avec Louis pour une passe arrière vers Zero. Bon tir qui va être bloqué par Kickstart. Zero maintient la pression. Renvoie pour lui-même et fait 2-0. Oh, ce ballon-là, c'est faux filé. Il échappe à la défensive des Conquérants. Alors que sur la rotation, Fakey là, s'est retrouvé sur le panneau arrière et Hazard Brun du poteau éloigné n'a pu aller saisir cette balle à temps. Et les Griffons font 2-0 avec 3 minutes 40 à faire dans ce match numéro 2. Tir de Kickstart et c'est presque cadré. Ballon flottant tout juste à l'extérieur du cadre un peu trop haut. Belle frappe là, tentée sur la mise en jeu. Hazard Brun qui s'élance, passe... via le mur latéral, c'est bloqué par Zero. Kickstart qui pourra s'élancer. Une frappe soulevée au centre. Un peu faible qui est facilement dégagée là, par Lucky Aino. Fakey qui voit l'adversaire frapper en premier. Hazard Brun du poteau rapproché fait l'arrêt. Au troisième du match. Lucky passe au centre. Vise Zero qui ne peut que couper faiblement vers le filet. Kickstart dégage. Ballon soulevé par Louis. Il va d'un dribble. Un flic vise la partie supérieure et ça va être complété. Belle manœuvre individuelle du joueur de l'Outaouais. Et c'est 3-0. Encore une fois, Louis qui a eu tout le temps de s'installer. Le flic par-dessus Willy. Et la défensive des Conquérants qui ne peut atteindre ce ballon à temps. Et les Griffons qui, malgré une défaite en trois matchs dans la première série, démontrent qu'ils ont des belles choses. Willy qui va bloquer la mise en jeu. Cherche de créer quelque chose chez les Conquérants. Hazard Brun qui ne peut s'élancer là, sur cette manœuvre. Voit le ballon glisser ou rouler plutôt jusqu'en territoire défensif. Dégagement là, de Lucky qui est bloqué par Hazard Brun. Louis renvoie au centre. Lucky Aino qui rate la touche et Kickstart va être en mesure de dégager. Hazard Brun laisse pour Kickstart qui pousse au coin. Ballon qui est centré. Hazard Brun qui... plutôt Kickstart qui s'était élancé. Le retour qui est libre. Hazard Brun, le but! Alors les Conquérants qui vont aller en chercher un
avec 2 minutes 23 à faire et réduisent l'écart. C'est 3-1. On a laissé Hazard Brun fin seul s'élancer. Bon tir du poteau, au poteau rapproché. Et l'écart qui est réduit là, dans ce match numéro 2 et pour la première fois en 6 minutes et demie de jeu, les conquérants qui s'inscrivent à la marque. Griffon qui n'attend pas le prochain printemps là, pour chercher la réplique, reprendre l'avance de 3 buts, dégagement de kickstart qui renvoie territoire arrière. Et ce but-là peut redonner espoir un peu là, à la formation et redonner plutôt le momentum, devrais-je dire, là, à la formation limouloise. Ça peut être une bonne chose. Centre de Fakey. Personne qui répond à l'appel alors que le ballon là, est laissé libre. Kickstart s'élance. Déjoué dans le rebond. Et même chose pour Fakey. Attention, le week a tout l'espace. Un contre un contre Azabra. Oh, bel arrêt du défenseur limoulois là-dessus. Ballon qui est libre. Fakey pourra le dégager. Il est bloqué. Zero qui rate un pincement rapide là, devant le filet pour reprendre l'avance de 3 là, pour l'Outaouais. Les Griffons, un bon tir de Lucky là-dessus. Attention, retour devant. Oh, Kickstart qui sort le pare-choc avant pour gêner son adversaire. Belle manœuvre en défensive là-dessus. Dégagement de ce dernier. Ça ouvre la porte à Hazard Brun. Voit Zero rater sa touche. Lucky qui laisse pour Louis. Louis coupe devant le filet et ça va déjouer la défensive. Et sur cette manœuvre individuelle, l'Outaouais reprend une avance de 3. Alors qu'on aura réussi à contourner la défensive. Fakey qui fonce vers le ballon un peu trop rapidement, permettant à son adversaire de couper dans l'axe. Et c'est 4 à 1 pour les Griffons. Avec 80 secondes à jouer, ils reprennent une avance de 3 buts. Dégagement de Zero. Ça devient une passe à l'attention de Louis qui s'élance. Kickstart réussit à freiner la manœuvre. On reprend là, du côté de l'Outaouais. En repli défensif, Hazard Brun qui pousse en territoire adverse. Ballon qui est soulevé devant le filet. Zero facilement dégage en transversale. Dernière minute de jeu dans ce match numéro 2. Louis pousse plus loin. En fond de zone adverse, c'est Fakey qui tente de bloquer. Ça devient une passe au centre. Louis qui cherche Lucky, mais pas suffisant. Le tir qui n'est pas cadré. Lucky qui centre de nouveau. Hazard Brun qui rate la touche. Zero pousse vers le centre. Fakey dégage. Kickstart qui cherche à s'élancer. Va plutôt y aller d'un 50-50 à son avantage. Dégagement transversal pour Hazard Brun. Hazard qui cherche à s'élancer et défié, là, pris de vitesse par Zero. Va même bloquer le dégagement de Kickstart. Zero, une touche, vise le panneau arrière, passe pour Lucky, au bel arrêt! Kickstart qui sort un vol là-dessus dans les 30 dernières secondes. Alors, belle manœuvre défensive malgré le pointage. Tir de Lucky, attention, en repli défensif, Fakey doit faire vite, réussit à neutraliser la manœuvre. Zero au centre, cherche la passe vers Louis, l'arrêt qui sera crédité au dossier d'Hazard Brun. Et avec cette dernière seconde de jeu, le ballon qui va toucher au sol et mettre fin à cette rencontre. Donc les Griffons qui vont doubler leur avance dans la série et se prévaloir là, du point de match à la prochaine rencontre. 13 tirs contre 2, mais 9 arrêts chez les conquérants. 5 pour Hazard Brun, 4 pour Kickstart. Alors que on aura là, un match numéro 3 qui pourrait s'annoncer intéressant. Évidemment, les conquérants qui auront besoin de générer un peu plus d'attaque. On a seulement 5 tirs dans les deux premiers matchs. On est bombardé et on fait un bon travail en défensive. Il faut donner crédit là, à la formation limouloise qui se défend relativement bien. Les frappes des Griffons qui sont incessantes et trouvent des cages abandonnées. C'est ce qui est difficile. S'il n'y a plus de gardien pour faire l'arrêt, ben comment voulez-vous faire l'arrêt? Alors, dans leur construction de jeu offensive, les Griffons réussissent là, à trouver ces ouvertures et capitalisent. Ils sont opportunistes pour porter là, cette marque à 2-0 dans la série. Alors, restera à voir comment les conquérants vont répondre à ce scénario là, de point de match pour la formation d'Outaouais. Nouveau cégep, si je ne me trompe pas, là, dans le circuit collégial de la LCSE, donc, ou du moins s'il n'était présent dans le passé, n'était pas présent du côté spécifiquement de Rocket League. Alors que les formations là, vont se présenter là, pour lancer voilà les hostilités du match numéro 3. Pour être le dernier de la soirée, mesdames et messieurs, alors que Louis Assassin, et ce serait Lucky techniquement là, si on y va de la rotation chez les Griffons, dernier joueur qui va rejoindre dans quelques instants. Chez les conquérants, on est prêt. Alors voilà, Lucky Aino qui rejoint. Et c'est parti pour le match numéro 3. Alors que l'avance est de 2 à 0 pour l'Outaouais. Louis qui cherche le tir dans la lucarne, rate le ballon. Passe au centre qui force Fakey Willy à intervenir.
Il est défié par Lucky. Ballon qui est décidé pour Louis qui va d'une frappe. Kickstart, bel arrêt là-dessus. Assassin qui rate le ballon. Ça laisse le tout libre pour Lucky qui envoie un dégagement sur le panneau arrière. Hazard Brun saisi. Willy qui pousse à contre-courant. Lucky saisit le ballon. Dribble au coin dans les airs. Cherche à aller trouver la passe. Mais Hazard Brun, d'une belle manœuvre, va pousser plus loin. Assassin d'un tir. Kickstart qui rate l'arrêt. Lucky devant le filet. Un peu reprise. Kickstart qui sauve la mise. Avec un bel arrêt. Alors que les Griffons menacent. Assassin sur le panneau arrière, renvoie devant le filet. Hazard Brun rate la touche, le tir qui n'est pas cadré. Conquérant qui tente tant bien que mal de résister à cette pression imposée par les Griffons. Lucky tire, barre transversale, le retour pour Assassin. Et voilà le premier but du match. Alors au volume, la formation de l'Outaouais qui va trouver le fond du filet. La première frappe de Lucky qui compromet la défensive. Et sur le repli, Willy qui a presque fait l'arrêt, mais in extremis ne pouvait là, tout faire seul. Et la formation des Griffons vont prendre les devants dès la deuxième minute de jeu. Lucky Aino, du pincement. Renvoie vers Hazard Brun. Son dégagement faible est repris là, par l'Outaouais. On tente encore une fois la manœuvre et malheureusement, Fakey ne peut dégager le devant du filet. C'est 2-0 les Griffons. Alors Lucky d'un lob directement dans l'axe. Louis qui rate la touche, ce qui compromet le premier défenseur. Et Willy, malheureusement, ne peut aller chercher ce ballon qui s'est retrouvé ultimement dans le fond du filet. Alors que, de ce fait, dans l'espace d'une quinzaine de secondes, les Griffons doublent leur avance. Hazard Brun s'amène, réussit la démolition, mais ne peut trouver le tir. Alors que l'Outaouais va reprendre. Willy tente de gêner Louis dans son jeu de transition. Louis qui s'amène a beaucoup de carburant, dégagement de kickstart, force Lucky à intervenir. Passe au centre et le Willy qui va être déjoué sur la manœuvre. Assassin qui est gêné là, par son coéquipier. Confusion en attaque là, du côté des Griffons. Kickstart rate la touche. Hazard Brun qui force un 50-50, qui renvoie un ballon dangereux devant le filet. Lucky s'élance, trouve la touche, mais ne peut cadrer le tir. Le retour pour Louis également sur le panneau arrière. Hazard Brun renvoie au coin. Assassin voit sa manœuvre de centre coupée. Hazard Brun pousse et dégage son territoire. Capitaine de l'équipe numéro 2 des Conquérants renvoie au centre. Kickstart, un bon tir. Lucky qui bloque. Assassin qui s'amène dans l'axe. Hazard Brun va le défier. Il réussit à neutraliser la frappe de l'Outaouais. Et qui renvoie en territoire adverse. Ballon errant là, sur le panneau arrière des Griffons. Lucky qui pousse plus loin. Directement sur le museau d'Hazard Brun qui va d'une passe en transversale. Louis premier sur le ballon. Réussit à dégager plus loin. Et c'est la recette gagnante chez les Griffons. On est premier sur le ballon. Parce qu'on envoie là, des longues passes de la sorte chez les Conquérants. On hésite. On est deuxième sur la manœuvre. Et c'est ce qui fait mal. Lucky sur le panneau arrière. Pousse en hauteur. Cherche la deuxième touche. Voilà, c'est fait. Passe par-dessus deux défenseurs limoulois. Son coéquipier Louis qui intervient. Pincement qui envoie le ballon au centre. Un peu trop long pour Assassin qui ne peut que centrer de nouveau. Hazard Brun reprend et dégage le long du mur. Louis cherche le dribble, voit plutôt Fakey aller d'une très belle frappe tout en puissance sur le panneau arrière. Assassin s'élance, oh, presque rabattu là, par Hazard Brun vers le filet. On a passé prêt à réduire l'écart. Lucky, dégagement, ça sera sur le panneau arrière. Opportunité de tir pour Assassin qui lui aussi soulève un lob. Barre transversale, ballon qui est libre sur la ligne des buts. Et c'est finalement complété par Louis qui fait 3-0 pour l'équipe de l'Outaouais. Alors, on a compromis deux défenseurs là, chez les Conquérants et le ballon qui aura flirté avec la ligne des buts jusqu'à ce que Louis termine le travail. Et de ce fait, avec une 39 à faire sur ce point de match, les Griffons qui prennent une sérieuse option sur cette série. Match relativement à bas pointage si on se fie à ce qu'on a vu précédemment pour les deux formations qui ont eu une première ronde beaucoup plus difficile. Les matchs qui avaient atteint le total de la dizaine dans les buts marqués par leur adversaire. Ça peut vous donner une idée, évidemment, là, de ce format suisse là, qui... fallait le prédire là, qu'il allait avoir quelques affrontements là, de la sorte. Alors que pour les Conquérants, ben, c'est une opportunité d'apprentissage là, dans tout ça. Alors qu'Hazard Brun renvoie devant son filet et ça donne le ballon à Louis qui n'en demandait pas autant pour... En rajouter un autre, Hazard Brun à son repli défensif tentait de pousser ce ballon par-dessus son filet. Et la gravité qui a fait son travail pour ramener le tout au poteau rapproché. Et c'est 4-0 les Griffons.
avec 65 secondes à compléter. Willie qui voit son dégagement de la mise en jeu être bloqué. Louis qui va d'une frappe et voilà, va en rajouter un cinquième. Ballon joue pour la forme du côté de l'Outaouais. Ballon laissé errant. Encore une fois, un dégagement raté en défensive. Et genre on doit nettoyer l'exécution là, du côté de Limoilou, évidemment, en début de saison. Il faut le prévoir là, qu'il y aura du travail à faire. C'est la beauté là, du e-sports en soi. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de facile. Et les joueurs devront démontrer une belle persévérance là, pour progresser au fil de la saison. Évidemment, dans des affrontements qui seront un peu plus serrés. Azabrun, belle frappe! Oh, malheureusement, le tir qui frappe la barre transversale. Belle frappe en puissance là, qui aurait pu faire mouche pour les conquérants. Azabrun s'élance de nouveau, renvoie vers le panneau arrière. Louis qui va réussir à défier là, l'attaquant Limoulois. Kekster va chercher une démolition en ratant le ballon. 30 secondes à faire là, dans ce match numéro 3. Azabrun qui ne peut que pousser sur la latérale. Bel arrêt de ce dernier, encore une fois son troisième du match. Contact entre les deux défenseurs Limoulois. Et c'est bel arrêt de Willy là, sur la reprise après la confusion là, devant le filet. Et Azabrun qui va déjouer le joueur. Et va peut-être. Oui, voilà, prise et le jeu blanc de l'adversaire. Avec 11 secondes à faire, les conquérants vont en marquer un. Et Azabrun, d'un bon dribble au sol, va réussir à déjouer là, cette défensive de l'Outaouais. Alors, on aura un petit soupir de soulagement là, en fin de match. On aurait été chercher un but de consolation qui pourra donner un peu d'espoir et de confiance là, à la formation limouloise. Alors que Lucky va saisir le ballon, défié par Kickstart, s'est renvoyé au coin. Et les cinq dernières secondes de cette rencontre qui vont s'écouler. Assassin renvoie au coin, dernière manœuvre, alors que le ballon va être poussé par Kickstart. Toujours gardé en vie. Lucky qui renvoie sur le panneau. Regarde, dernière chance peut-être pour l'Outaouais, mais ça sera trop peu trop tard. Ballon qui... Voilà, touche au sol. Et les Griffons vont balayer cette série en trois matchs face à l'équipe numéro 2 des Conquérants. Alors, félicitations aux deux formations. Ben, on n'a pas été sous la barre des 10 tirs par match chez les Griffons. On a trouvé les opportunités offensives pour frapper. Alors que les Conquérants, ben, on aurait été limités encore une fois à trois tirs dans ce match. Un qui aurait été suffisant pour briser le jeu blanc. Azabrun crédité du seul but de son équipe. 5 arrêts au total chez les Conquérants. Match de 3 buts, tour du chapeau. Un deuxième dans la série pour Louis, qui, on a mentionné, joueur responsable de cette formation, capitaine. Nommez-le là, comme le terme vous semble, mais démontre un bon leadership, là, montre l'exemple pour sa formation. Alors que de notre côté, mesdames et messieurs, ben, ça va être tout là, pour notre soirée de travail. Alors que du côté, évidemment, là, de la LCSE, on va se retrouver lundi pour du League of Legends, tour 3 et 4 du tournoi préliminaire. Et pour nous, à Rocket League, ben, ça sera dès mercredi prochain, 19h, pour de nouveau les rondes 3 et 4 de ce tournoi suisse qui va se poursuivre dans les deux prochaines semaines. En mon nom personnel, Éric Godot-Drapeau, je tiens à remercier tous les gens du socioculturel du Cégep Limoilou. Donc Julie Bilodeau et son équipe pour l'organisation derrière l'équipe des Conquérants. Salutations à Jérôme Lévesque, entraîneur également de League of Legends. Alors qu'on va vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée et surtout à la prochaine.